Donc bonjour Marie, donc tu es documentaliste à la Fanzinothèque depuis le début. Depuis le début, oui. Et donc est-ce que tu peux dire deux mots sur comment la Fanzino s'est créée et comment est-ce que toi t'es arrivée ici ? Donc, création de la Fanzinothèque, ce qui est assez atypique, il semblerait évident que c'est des initiatives complètement alternatives. Mmh. Or ici, c'est plutôt le contraire, c'est une initiative municipale par le biais d'un conseil communal de jeunes qui, en 88, a demandé à la ville, lors du premier mandat, parce que c'était une nouvelle institution, premier mandat de ce conseil des jeunes, on demande à la ville de Poitiers une Fanzinothèque. Et la ville a dit « Ok ». Voilà, en fait, ce qui est surprenant, mais c'est vrai que Poitiers, ville universitaire, ville où il y avait déjà le confort moderne, déjà une coloration vraiment sur la jeunesse et sur la jeunesse militante. C'est pour ça que cette ville qui était passée à gauche avec les élections de Mitterrand a accepté un projet assez foufou, quoi, finalement. Alors ça a commencé tout petit, hein, parce qu'ils ont embauché une personne à mi-temps, c'était ouvert deux après-midi par semaine, voilà. Et ils ont embauché en fait Didier Bourgoin, qui était déjà bien connu dans le milieu, puisqu'il était disquaire indépendant, créateur de fanzine, faisait une émission de radio, enfin un peu tout ce qui se faisait à l'époque. On était à la fois musicien, éditeur, fanzineur. Et ils ont embauché Didier, ce qui a été une très très bonne idée, ce qui a permis... et puis ils ont aussi l'idée lumineuse de placer la Fanzinothèque au confort moderne et non pas dans une annexe municipale ou dans un petit coin d'une bibliothèque. Et le fait d'embaucher quelqu'un qui était déjà dans le réseau des fanzines, qui était connu des gens qui faisaient des fanzines, fait que ça a pris très très vite la sauce. Ça a très bien pris avec les créateurs de fanzines, qui ont absolument adhéré au projet. Voilà. Et donc, comment s'est constituée la collection ? C'est principalement des dons ? Ça a fonctionné toujours avec des dons, puisque de toute façon il y avait peu de moyens et pas forcément évident de... Le problème qu'on a, et on l'a toujours actuellement, c'est de... puisqu'on est quand même une association municipale, quelque part, on est obligé de rendre des comptes au niveau de la comptabilité, et c'est avec les fanzines très très compliqué. Quand on a un fanzine à 1 euro, enfin à l'époque à 1 franc, comment est-ce qu'on va obtenir une facture du créateur, sachant qu'ils s'en foutent complètement, c'est jamais fait dans des buts lucratifs, donc en fait c'est vrai que le don c'est quand même beaucoup plus simple pour nous. Ouais. Et donc, alors quelles sont les forces et les faiblesses de cette collection ? Parce que justement, si c'est par des dons, on ne choisit pas ce qu'on nous donne. Effectivement, force et faiblesse. Alors, la force, parce que finalement, le fait que ce soit les créateurs qui viennent spontanément vers nous, bien sûr, on accepte les documents, nous fait découvrir des tas de domaines vers lesquels on n'aura pas été forcément. Après, la faiblesse, c'est qu'on a un peu du mal, actuellement, c'est un questionnement que j'ai d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on va trier un peu dans cette collection, dans la mesure où on n'a pas de politique d'acquisition, puisque c'est des choses qu'on nous donne, des fois c'est un peu gênant, je dirais. En même temps, c'est quand même aussi cette richesse qui fait que le fanzine, c'est tellement polymorphe, tellement finalement incernable, ça nous permet de vraiment de découvrir toujours des tas de trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Il y a 2-3 ans, on a découvert, c'est toujours comme ça avec les fanzines de foot. Alors moi, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, il y en a plein. Mais c'est toujours toutes ces histoires de réseaux souterrains, finalement. Et tu découvres un fanzine de foot qui te parle d'autres fanzines et tu te dis « Ah ben mince, en fait, il y a tout un univers, quoi. Ouais. » Donc, force et faiblesse, effectivement. Mais si on devait vraiment avoir une politique d'acquisition, déjà, on serait obligé de trier quand même, et ce serait vraiment dommage, quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses, mais on n'aurait jamais les moyens de tout acheter. Parce que finalement, dès qu'on rentre plus dans les fanzines graphiques, ça peut être quand même assez vite assez cher, quoi. Ouais. Oui, donc vous pouvez, forcément, vu qu'on vous les donne, vous pouvez que être surpris, que découvrir des choses un peu inattendues. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que c'est organisé alors dans l'espace ici ? Alors, c'est un peu... Pendant pas mal d'années, ça a été assez clair qu'on allait organiser ça simplement de manière alphabétique par titre, puisque les fanzines parlent souvent de plusieurs thématiques, et c'était faire du thématique, c'était quand même vraiment compliqué. Maintenant, on a une énorme collection, et il y a un phénomène qui, jusqu'à présent, on était quand même dans le fanzine, c'était dans le magazine, c'était un titre avec une périodicité, numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc c'était quand même assez clair. Maintenant qu'on a de la micro-édition,
Ça veut dire qu'on a une multitude de titres, puisque chaque publication d'un auteur aura un titre différent. On est obligé d'organiser différemment. Moi, j'aime bien maintenant essayer de faire des rassemblements quand même, parce que c'est plus pertinent, sachant aussi que notre public, il ne va pas venir en cherchant forcément un titre, mais un auteur ou un petit éditeur. Donc voilà, on va quand même rassembler avec la micro-édition en particulier, par auteur ou par éditeur. Parce que c'est simplement, c'est la pratique qui te dit que quelqu'un ne vient pas chercher un titre, il dira ah ouais, j'adore tel ou tel auteur, j'aurais bien savoir ce qu'il a fait, le titre à la limite il s'en fout un peu. Donc tous ces petits éditeurs, tu parlais d'adverse, les gens vont nous demander qu'est-ce, les travaux que fait l'éditeur adverse, il ne va pas nous demander précisément un titre, et sinon la collection elle serait éclatée dans tous les sens. Ça serait vraiment très ardu de pouvoir rassembler des titres quand, à la demande quoi, puisqu'on est quand même un lieu de lecture publique. Voilà, donc nous, il faut qu'on, spontanément, enfin, si quelqu'un arrive ici, on ne peut pas lui dire « repasse dans 15 jours, on aura rassemblé la collection ». Donc voilà, maintenant, c'est de plus en plus comme ça. Ça reste par titre quand même, mais aussi de plus en plus par éditeur et par auteur. On a aussi un petit peu plus de thématiques, c'est pareil, ça répond à des demandes sur le féminisme, on nous en demande énormément. Du coup, on a créé carrément un meuble spécial pour le féminisme, pour des raisons pratiques, hein, de cette même manière. Ouais. Et donc tu fais cette différence entre fanzine et micro-édition, avec donc le deuxième qui serait plus dans une démarche d'édition. Et est-ce qu'il y a une époque ou une pratique qui a vu ce changement, tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est de toute façon l'arrivée des nouvelles technologies, clairement, qui a fait que ce qu'était le fanzine, c'était un magazine et c'était une source d'information. Mm-hmm. Cette source d'information, elle est passée sur Internet, et puis c'est tellement plus pratique, plus réactif, plus rapide, gratuit, enfin voilà, pour toutes ces raisons. Les fanzines classiques, magazines d'information, se sont presque tous arrêtés. Et après, du coup, c'est peut-être aussi en contrepoint, on a vu plus arriver finalement des fanzines graphiques. Peut-être aussi en réaction, peut-être ils ont été plus mis en avant du fait de la chute des magazines informatifs, et puis aussi un retour à plus d'artisanat, plus de voilà, plus de manuel, d'emprise manuelle. L'information est passée sur les réseaux internet, et par contre tout ce qui est de l'ordre du manuel, c'est pas satisfaisant. À part peut-être il y a le mouvement Glitch, il y a quand même des trucs qui existent vraiment de l'art numérique, mais globalement je pense que les artistes se sont pas retrouvés du tout sur un écran d'ordinateur, ça correspond plus du tout. Enfin, on perd beaucoup de sensualité, beaucoup de voilà de corporeité, et du coup c'est vrai qu'on a vu peut-être émerger beaucoup plus de micro-éditions graphiques. Voilà. Oui, donc en perdant le côté informatif, c'est devenu beaucoup plus artistique en fait. Voilà, c'est plus purement artistique, et effectivement le côté informatique, de toute façon tous les gens qui font des graphzines ont aussi un site internet pour dire voilà, je suis à tel festival, dans tel salon, cette info-là on la trouve ailleurs, ou alors et des interviews. Par contre, on retourne, voilà, ce retour quand même à plus d'artisanat. On voit bien que la riso, et puis la sérigraphie, la linogravure, toutes ces choses-là, qui avait l'air d'être totalement obsolète, hein. Finalement, c'était tellement fastidieux, mais maintenant, c'est un vrai plaisir, finalement, de revenir à des pratiques plus roots, finalement, hein. Plus de retour à l'origine, mais c'est aussi cette notion de collectif qu'on peut perdre aussi un peu avec Internet, qui fait qu'effectivement, bah, si on fait des choses en sérigraphie, bah, il y a tout cet aspect du collectif que les gens vont créer ensemble. Nous, ici à l'atelier, souvent les artistes sont présents, ils viennent choisir les couleurs. On fait carrément, les couleurs sont faites maison, quoi. On n'a pas un Pantone en disant on appuie le B12 pour avoir telle teinte d'oranger. Non, nous, on prend du orange, du rose, du machin, on mélange. Et tous ces aspects-là sont quand même vachement sympathiques. Et donc, c'est plutôt ce genre de choses, justement, qu'on vous dépose maintenant, des choses plus fabriquées Non, enfin, c'est marrant, parce qu'en 2003, vraiment avec l'arrivée d'Internet, les fanzines musicaux, par exemple, sont tous cassés la gueule. Ouais. On est passé de 400 titres à 40, quoi. Ouais. Ça a été vraiment une chute, mais vertigineuse. En même temps, maintenant, on voit que ça revient quand même, qu'il y en a qui se sont toujours accrochés, de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le papier. Ouais. Et donc, ça, cette pratique journalistique, hein, beaucoup plus journalistique qu'artistique, elle demeure. C'est moins prégnant, évidemment, puisqu'il y a plein d'autres façons de s'exprimer, mais il y a encore beaucoup de gens qui aiment le papier, qui aiment la manipulation, pour faire des agrafes, faire du pliage, et toutes ces tâches.
Donc non, il y a plus de graves. On les voit plus, mais est-ce qu'il y en a plus? C'est pas sûr. Il y a un petit effet de mode aussi. Ouais. Je me souviens que les Beaux-Arts, il y a une dizaine d'années, ils s'étaient même débarrassés de toutes leurs machines de sérigraphie et compagnie. Ils ne juraient plus que par la photo numérique en plus. Ouais. Et donc il y a des effets de mode comme ça sur la. Moi, ces petites éditions, ce qui me gêne un peu parfois, c'est que c'est plus des pressbooks finalement. Que des authentiques fanzines, parce que moi dans la notion de fanzine il y a aussi cette dimension altruiste d'ouvrir ses pages à d'autres gens. Oui, tandis que là c'est l'autopromotion. Quand c'est l'autopromotion, et puis après il y a aussi une dimension qui me gêne un peu, c'est quand on fait un objet à peu d'exemplaires pour en faire un objet rare. Ouais. Alors que c'était pas le but premier du fanzine, s'il diffuse, s'il fait 100 exemplaires, c'est parce qu'il a pas les moyens d'en faire plus. Puis qu'en plus, après, il faut les distribuer. Ça, c'est une autre histoire. Donc, ce n'est pas la peine d'en tirer beaucoup. Après, voilà, il y a cette petite distorsion, je trouve, du sens. J'aime bien comme font les Québécois. Maintenant, ils parlent de la culture zine. Ouais. Donc, on laisse complètement tomber déjà le côté fan. Parce que, enfin, une micro-édition, ça veut dire être fan de soi-même. Je trouve ça un petit peu déplacé, quand même. Donc, ils préfèrent parler de cette culture zine qui est plus globale, qui est un peu plus confuse. Mais finalement, c'est un mot qui a presque 100 ans. Hein. Donc, forcément, bon, beaucoup d'évolution. Hein. Je pense que l'underground n'a plus forcément grand-chose à foutre là-dedans non plus. Ah ouais. Ouais, il y a aussi cette dimension on perd un peu la dimension finalement les motivations du fanzine pour ne garder plus que la forme. Ouais. Tu vois, la forme, que ce soit. Oui, mais au final, quand on fait quelque chose à 100 exemplaires, c'est pas pour c'est pour atteindre assez peu de personnes. On garde un côté un peu souterrain quand même. Alors, je dirais pas souterrain, on pourrait dire élitiste aussi bien. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, ou niche. Donc, niche artistique, mais comme un tableau, qui est finalement. Mm-hmm. Ou une sérigraphie artistique qui va être en très peu d'exemplaires, mais c'est pour en faire un objet. Rare et cher, on va dire. Ouais, et non pas parce que les moyens sont limités. Voilà. Alors vraiment, ça dépend vraiment des publications. Moi, j'ai une sorte de feeling là-dessus. Je sens très bien les motivations profondes des gens. Il y en a qui font vraiment du business. C'est vraiment soit à la mode, soit pour des motivations qui me déplaisent un peu. Puis il y en a plein qui font ça avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité. Tu penses à qui, par exemple, quand je te parle de fanzine d'artiste, c'est quoi qui te vient en tête? Non, j'en aurais pas, je pourrais pas te dire, parce qu'on en sent quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais, par exemple, la Multilog, on vient de recevoir une publication qui est faite à Metz, par des gens des Beaux-Arts qui se sont rendus compte, parce que je suis en train de les cataloguer, c'est pour ça. Et j'aime beaucoup la démarche, parce qu'ils voient bien le rapport ambigu entre eux, ils veulent faire des choses un petit peu des choses un petit peu anarchistes, ou promouvoir un peu des causes un petit peu rebelles, mais en même temps se rendre bien compte qu'ils sont étudiants en Beaux-Arts, ils ont ce petit côté un peu pépère, quoi, un petit peu bourgeois, un peu, voilà. Par contre, ils voient très bien l'ambiguïté de la chose. Ils en sont bien conscients, et rien que ça déjà, avoir cette conscience comme ça, un petit peu politique finalement, cette dimension un peu plus sociale, rien que ça, c'est intéressant, quoi. Voilà, ils se voilent pas la face là-dessus. Donc je trouve que c'est une belle publication. Après, voilà, par exemple, mais après j'aurais pas de... on en reçoit tellement, franchement, les projets sont hyper variés, il y a beaucoup de choses qui... Bon, ça reste quand même des projets, le fanzine n'a jamais changé, qui vont être très peu pérennes finalement. Mm-hmm. Ça, c'est par contre une dimension qui n'a pas bougé depuis 50 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses hyper spontanées qui sont faites classiquement par des jeunes qui ont un peu de temps libre aussi. Et en général, ça ne dure pas très très longtemps quand même. Quoi. Oui, bah justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser sur la conservation. Donc ici, c'est une fanzinothèque, c'est pas non plus exactement une bibliothèque. Vous avez une vocation de conservation. Ce serait quoi la vocation de la fanzinothèque? Moi, je pense que... Alors, on dit bibliothèque, c'est pour que les gens pigent. En fait. Pour moi, c'est plus un centre de documentation et d'archivage. Mm-hmm. Voilà. Alors déjà, la bibliothèque, dans la définition normale, elle est exhaustive et elle est... universel. Mm-hmm. Alors ici, c'est pas la peine de chercher des choses de scientifiques ou des bouquins ou quoi que ce soit. Une bibliothèque, elle pratique le désherbage parce qu'elle se doit de présenter des contenus qui soient valides.
voilà, sur les sciences en particulier. Nous, c'est pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'on est plus un centre d'archivage, parce que on est plus sur une notion de patrimoine, mm-hmm. voilà, de mémoire. Après, on dit bibliothèque parce qu'on est ouvert à tous. On est un peu à la croisée de plein de choses, enfin. Ouais. Mais si on dit centre d'archivage, personne ne va venir nous voir, quoi. Oui, c'est vrai que centre d'archivage, ça fait hyper fermé. On se dit, bah oui, pour que les choses soient archivées, voilà. Archives, c'est cette notion de vieillerie aussi, alors que non, le fanzine est toujours vivant, on en reçoit en permanence, les gens font en permanence, voilà, c'est pour ça que le mot archive ferait peut-être un peu peur aux gens. Donc on dit bibliothèque, mais pour moi, c'est plus un centre d'archivage, quoi. Voilà. Et donc, oui, c'est complètement public, mais au final, vous récupérez aussi des archives personnelles, privées, oui, que des collectionneurs et collectionneuses de fanzines vous déposent quand ils ne savent plus quoi en faire. Voilà, quand les parents disent « Bon, hey, tu vas me virer tes cartons du grenier », on en reçoit comme ça énormément. Hein. Ouais. Et puis, bon, alors, beaucoup de doublons pour nous, mais aussi des collections, boucher des trous, c'est génial, quoi. Ça, c'est super. Et puis, maintenant qu'il y a d'autres fanzinothèques en France, on en fait profiter les copains, histoire de, ici, si ça crame, par exemple, ça serait dommage. Bon, on a un super bâtiment tout neuf, hein, normalement. Et tout en bois. Voilà, tout en bois, mais on a suivi une formation, là, il n'y a pas longtemps, sur les risques d'incendie. On ne fume pas dedans. On n'a même pas de plantes vertes, hein, pour ne pas amener des bébêtes. On fait quand même très gaffe. Ouais. Ouais. Mais effectivement, je sais plus ce que je disais. Que vous partagiez justement les doubles, maintenant. Les triples, vous les envoyez à d'autres. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup d'archives, on reçoit beaucoup d'archives, mais on fait aussi, c'est aussi une des vocations de la Fanzinothèque, c'est de prêter des exemplaires pour des expositions, dans des écoles aussi, hein, où on va prêter à l'année des exemplaires, donc l'intérêt d'en avoir en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Deux ou trois titres, ce qui nous permet, nous, de les faire sortir d'ici, sans dépouiller la collection, si un chercheur arrive et on lui dit, il y en a à Marseille, il y en a à Toulouse, il y en a à droite à gauche, quoi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 titres, et donc, ce qui en ferait peut-être la plus grande fanzinothèque du monde, en tout cas, qui soit dédiée uniquement à ça, parce que souvent, il y a des fonds de fanzines dans des bibliothèques, mais parmi d'autres choses. Et donc, elle existe depuis 89. Et tu disais qu'il y a des fanzinothèques qui sont formées récemment. Parce que c'est plutôt des choses récentes, il n'y en a pas d'aussi anciennes. Non, alors en 2009, on a fait une rencontre de fanzinothèques du monde entier ici. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'on était la seule à être vraiment généraliste. Parce qu'on avait la bibliothèque Collet à Londres, qui était plutôt dans un centre social et qui faisait aussi bien l'alphabétisation, de l'aide auprès des personnes pour rédiger des CV, des choses comme ça. Et donc c'était vraiment cette dimension sociale et politique. On parlait de Gina Freeman aux États-Unis. Là, c'est dans une université, c'est des fanzines faites par des femmes noires urbaines. Enfin, ça a peut-être évolué depuis, mais à l'époque, c'était quand même hyper spécifique quand même là-dessus. En Belgique, la petite fanzinothèque belge, elle est quand même. C'est pareil, ils font des dons, donc ils ont un petit peu de musique, mais ils sont grandement bande dessinée. Voilà, tous ces lieux comme ça, ils ont comme ça une thématique précise. Et des généralistes comme nous, il n'y en avait pas d'autres. C'est pareil au Portugal, il y en a aussi une BDTK, mais elle est dans une bibliothèque de bande dessinée, où il y aura un coin fanzine, BD. Et on est la seule à accepter toutes sortes de documents, aussi bien sur le vélo, politique, bande dessinée, musique. Enfin, toutes sortes de choses, broderies, parce qu'on a des trucs très, très bizarres aussi, parfois. Et si on vous donne des choses complètement hors sujet, vous les refusez ? Alors, il se trouve, par exemple, pour donner un exemple, est-ce qu'on aurait des trucs sur le nazi ? Bon, on en a un. Ah ouais. J'ai mis en enfer. J'étais contente de moi, j'ai créé un enfer pour un document. Mais en fait, parce qu'à un moment, Didi, il y a hyper longtemps, on a acheté une brochure qui devait s'appeler genre sur les publications non conformistes, un truc comme ça. On s'est rendu compte que c'était un foyer de nazis, quoi. En fin de compte, sur des terminologies qui n'étaient pas très très claires. Ouais. Et en fin de compte, ces documents ne sont jamais arrivés ici. On n'a jamais eu de trucs fachos qui se pointent ici, quoi.
Non, moi je pensais plus aussi à des choses qui sont juste pas défensives. Non, pas trop. Non. Pas trop, heureusement. Alors, quand les gens vous proposent, ils savent que oui, ça quand même peut assez vous bien. Alors parfois, mais ça arrive par mail, des gens qui vont nous proposer des écrivains, des poètes. Bon, heureusement, ça vient pas. On a le temps d'intercepter le truc, on voit ça par mail en disant bah non, franchement. Oui, c'est pas le genre. Surtout qu'on peut pas non plus. Enfin, déjà, on n'a pas la place, et puis il faut quand même qu'on reste un petit peu dans notre créneau, sinon on bien va sûr, se perdre. Ouais. Voilà. Donc en fait, non, ça arrive pas trop. Non, je prenais l'exemple des trucs du Front National parce que c'était quand même. Ça aurait pu. Ouais. On aurait pu être envahi de trucs, on aurait été bien embêtés. Mais on était déjà tellement connotés extrême-gauche qu'il n'y avait pas de soucis. Oui, les gens n'arrivent pas pareil. C'est clair, ouais. Mais après, non, ça va. Après, par exemple, on a tout, quand même tout un fond de livres. Mais oui. Ça, tu vois, des livres. Mais alors, les thématiques sont vraiment... Il y a de la proximité avec nous. Ça va être des livres sur le rock ou des livres sur le graphisme underground qui vont tout à fait rentrer ici. Ouais. Ou sur de l'affiche... je sais pas, je vois ça, là. Les affiches... 1936, les affiches d'Espagne, ça rentre chez nous, quoi. Ouais, Parce que vraiment, ça rentre dans les thèmes, complètement. Oui, donc puis on a pas vous de avez une très grande variété de thèmes, il y a beaucoup de choses qui peuvent voilà, être en lien avec, voilà. Avec des thèmes de fanzine. Par exemple, sur le jardinage, oui, si ça parle de cannabis, sinon, si ça parle de cyprès, on s'en fout, quoi. Ouais. Mais ça arrive pas là, hein, clairement. Ouais. Donc on reste quand même... on a tous ces ouvrages qu'on achète ou qu'on nous donne, mais qui sont toujours en lien, finalement, avec notre collection. Et voilà, ça, heureusement, on n'est pas envahi ni par les poètes, ni par... Oui, parce qu'en fait, on parle toujours de fanzine et compagnie, mais l'auto-édition existe depuis, je ne sais pas combien de centaines d'années, mais il y a beaucoup de gens qui s'auto-éditent. Ouais. Mais eux-mêmes font, eux-mêmes savent déjà qu'ils n'ont rien à faire ici. Oui, c'est de l'auto-édition, mais qui se veut pas nécessairement fanzine. Voilà, je pense que c'est... En fait, c'est rigolo, pour dire un exemple, un fanzine qui s'appelait Arbitraire, qui a publié, disons, 20 à 25 numéros, et quand il est passé à micro-éditeur, on s'est à écrire, à publier des auteurs, c'est-à-dire un auteur, quoi. Ils ont arrêté de nous envoyer leur publication. Ah. Et c'est eux-mêmes, finalement, qui font bien la différence. De toute façon, quand tu as un ISSN, parce qu'en fait, ici, l'intérêt, c'est que ces publications, on les trouve nulle part ailleurs. Ouais. Une fois que tu es édité de manière classique, tu vas être référencé à la BNF, on va te trouver dans les bibliothèques, un peu partout. C'est plus la peine d'être à la Fanzino, sauf s'ils ont envie, parce qu'ils nous aiment bien, ou pour d'autres raisons, mais finalement, on pallie un manque cruel, quoi. Ouais, ils n'avaient pas d'autre endroit où atterrir, ces publications. Et eux-mêmes, adverses, et puis, plein de publications comme ça, qui sont passées de Fanzine à édition, ont arrêté de nous les envoyer. C'est bête pour nous, mais... Ouais. Mais voilà, c'est eux-mêmes qui font parfaitement la différence entre le Fanzine et l'édition, quoi. Et donc, tu parlais des rencontres avec les autres fanzinos. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type-là que vous avez envie de développer, justement, pour entretenir les conversations autour de qu'est-ce que ça veut dire que ce que vous faites ici? Ça, c'est quelque chose qu'on fait entre nous, puisque nous, ça fait 3 ans qu'on organise un festival en été qui s'appelle... Alors, qui s'est appelé Université d'été du fanzine, qui s'appelle maintenant Utopie Estival du fanzine, et à l'intérieur de laquelle, ça dure 4 jours, nous, on organise 3 jours de discussion entre fanzinothèques. D'accord. Françaises, belges, on a eu aussi de Montréal, on a eu... Alors, il y a des fanzinothèques qui ont été vraiment, on ne peut plus éphémères, qui ont duré 4 mois, quoi. Parce qu'en fait, les gens se lancent dans des projets, c'est quand même un peu lourd comme projet, mine de rien. Récupère un fonds d'archives, un lieu, et se disent, on va commencer à travailler dessus. Puis après, je ne sais pas pour quelle raison, ces lieux sont mis en stand-by. Mais quoi qu'il en soit, on a encore un réseau d'au moins 4 fanzinothèques qui ont un petit peu de la bouteille et qui vont tenir le coup. Ouais. Voilà. Et sur lesquels ces problématiques se posent de façon cruciale, pas pour tout le monde, mais je sais que nous, les vieux, je pense à Valérie Cox, par exemple, on se dit, mais c'est quoi le fanzine pour nous? C'est quand même vraiment quelque chose d'underground et de punk. C'est pas le cas pour tout le monde. Oui, voilà, il y en a d'autres qui ont d'autres dimensions. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera au moins dans cette idée d'alternatif. Voilà, de garder quand même des valeurs du fanzine, c'est-à-dire le non-profit. Il y a quand même des choses qu'on va avoir en commun.
voilà, qui vont nous différencier du livre d'art, par exemple, qui peut avoir d'autres dimensions. Ce que je disais tout à l'heure, cette idée de non-profit, elle est quand même vachement importante. Si c'est, y a beaucoup de gens qui considèrent le fanzine. Pareil que Mathias Lehmann a fait une très bonne intervention à la radio il n'y a pas très longtemps, quand quelqu'un lui a dit « Ah, mais le fanzine, voilà, c'est un tremplin pour l'édition. » Il a dit « Non, 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 c'est un objet totalement à part, qui a ses caractéristiques. C'est pas du tout « Je vais faire un fanzine en attendant de devenir célèbre. » Mmh. Voilà. Comme beaucoup l'imaginent. Bah, je trouve ça bien de finir là-dessus. Bon, allez. Merci beaucoup.